Pour commencer ma recette, j'ai cuit dans un faitout mes lamelles de fenouil dans du beurre et du citron. J'ai salé, j'ai poivré, mais vous pouvez très bien réaliser des tranches plus fines et les disposer crues au fond de la papillote. J'ai ensuite détaillé mes légumes, l'oignon en fines tranches, la carotte en petits cubes. Et je commence le montage de ma papillote. Donc sur mon papier sulfurisé que je dépose sur une plaque de cuisson, je vais disposer mon fenouil. Sur celui de fenouil, un peu d'oignon, les carottes. Je mets mon maquereau sur le dessus. J'assaisonne le poisson de sel et de poivre. Ensuite, je pèle à vif une mandarine. Je récupère les suprêmes. Les suprêmes, je viens les mettre sur mon poisson et aussi, pourquoi pas, dans le ventre. Ensuite, je récupère le zeste des autres mandarines. Je ferme la papillote de façon hermétique sur les côtés. J'arrose le poisson du jus de mandarine. Ensuite, les zestes. Je verse un filet d'huile d'olive, puis un peu d'aneth. Je referme ma papillote. Et je termine par du papier aluminium pour être sûr que le tout soit bien étanche, bien hermétique. Et je n'ai plus qu'à enfourner cette papillote pour 15 minutes à 180 degrés.